Tu pourrais me faire un petit twerk, genre. Après, tu me fais une pub juste après? Ouais, chez moi, après on rentre à la maison, je te fais une pub. Ok, c'est bon. Ouais? Ouais. Tu peux ouvrir tes affaires, je vais les jeter. T'as même pas à venir en bas de la maison, tu vas te faire. Salut l'équipe, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tout simplement piéger une missionneuse. Donc cette vidéo, elle va être assez particulière, assez différente des autres vidéos missionneuses. Donc pour cela, je vous demanderai bien de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien tout comprendre, car vous verrez, il y a une fin assez inattendue et une certaine morale qui se dégage. Donc voilà, je vous explique. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement piéger une missionneuse en couple, donc accompagnée de son copain. Alors je précise, je ne connaissais ni son copain ni elle. Je suis tombé sur eux par hasard après plusieurs essais et plusieurs ratés sur d'autres couples. Donc voilà, de toute façon, je vais vous laisser voir, vous allez comprendre par vous-même. Donc comme vous êtes énormément à me demander à chaque fois de refaire ce genre de vidéo avec des missionneuses, je vais vous demander de m'exploser la barre des likes si la vidéo vous plaît. Comme vous le savez, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos et ne rien rater à ce qui va suivre. Et merci à tous ceux qui partageront cette vidéo afin qu'elle puisse toucher un maximum de monde. Donc voilà, comme vous êtes beaucoup à me le demander, si je vois que vous êtes vraiment chaud et que vous avez envie que je refasse ce genre de vidéo, je le referai, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer en commentaire toutes vos idées par rapport à ça. Et j'essaierai de sélectionner dans la mesure du possible le commentaire qui a reçu le plus de likes pour essayer de faire l'idée proposée si bien sûr c'est possible. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse directement avec le contenu de la vidéo, le moment où je vais à la rencontre de ce couple. Comme je vous l'ai dit, regardez bien jusqu'à la fin avant de laisser un commentaire ou quoi pour bien tout comprendre. Sur ce, c'était Mikalash, c'est de suite, c'est maintenant, c'est parti. Salut, excuse-moi de te déranger. En fait, j'étais en train de marcher, tu vois, depuis tout à l'heure. Et je t'ai croisé et en fait, je t'ai trouvé genre vraiment super charmante. Ah, c'est ma meuf en fait, là. Qu'est-ce que tu fais là? Bouge de là, c'est ma meuf là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah non, j'ai pas de soucis, mais je parle pas avec toi. Bouge de là, c'est ma biche. Ah non, c'est bon, tranquille. Bouge de là, je te dis. Mais oui, y'a pas de soucis. Ma meuf, elle est avec moi là, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais t'énerve pas. Ouais, mais c'est quoi? Bouge de là. Oh, mais c'est bon, je rigole, tranquille. Moi, je te dis encore une fois, bouge de là ou je vais t'emplâtrer. J'ai pas besoin de plâtre, hein, je. Je te fous de ma gueule. Non, je me suis. Je te fous de ma gueule. Je me suis jamais. Non. Bouge de là, je te dis, c'est ma meuf. Ah, bouge de là maintenant, là, je rigole pas avec toi, là. Je bouge. Ah, c'est bon, lâche-moi, c'est ça. Je vais y aller. Je vais y aller, c'est bon. Je vais y aller. Calme-toi. Je m'en vais, frère. Je peux juste te serrer la main avant pour te dire au revoir. Ouais, mais dégage, vas-y. Voilà, c'est bon. C'est bon, je m'en vais. Oh, Mikalash. Sur le fou. Ça va? Ça va quoi? Tranquille. Bonjour. Ouais. Je suis choqué de te voir là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fous dans les bois? Rien, frère, je me baladais un peu, tranquille, je faisais un peu mon sport et tout. Oh, je suis trop fan. En gros, je peux te poser une question. Ouais. C'est un peu indiscret et tout, mais combien tu gagnes à peu près par mois en ce moment? Ah, frère, ça c'est la fameuse question, t'as vu? C'est la question des abonnés, tu vois, toujours ils te demandent combien tu gagnes. Franchement, vas-y, tu sais quoi, je vais te donner une fourchette. On va dire, je me fais entre 15 000 et 20 000 euros par mois. Ah ouais? En ce moment, tu vois. Parce que je fais pas trop de placement de produits et tout, donc tu vois, ça baisse un peu, mais. Paye. Ouais, ça va, ça paye plutôt bien. Après, c'est du taf, tu vois, mais. Ah, putain, bien en tout cas, bah écoute. Vas-y, continue, frère. Continue mon footing. Ok. Et je te souhaite bon courage pour la suite, hein, continue. Vas-y, au bien, revoir, tranquille. Merci. Vas-y, ciao, gros. Passe une bonne journée. Bon, je suis désolé, du coup. Je m'excuse. Ah, c'est bon, tu peux rester. Comment ça, tu peux rester? On peut juste parler. Comment ça, je peux parler? Tu vois pas, il me casse les couilles depuis tout à l'heure. Vas-y, bouge de là, dégage. Non, on peut parler. Dégage, je te dis. Quoi? Comment ça, laisse les. Oh, pas de violence envers les femmes quand même. J'ai rien fait, tranquille, quoi. Bouge de là. Il en faut 15 000 et 20 000. Ouais, pourquoi? C'est pas mal. Franchement, c'est plutôt marrant. Moi, en plus, je voulais faire des photos sur Instagram. Enfin, j'ai déjà débuté. Ça peut être cool. T'es sérieuse, là? Mais il peut m'aider. Comment ça, il peut t'aider? Il peut m'aider à m'apporter des vues et des likes. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Mikalash. Service professionnel. Il fait des photos pour moi, ça fait des vues. Non, y'a pas de vue. Si, je peux passer mon numéro si tu veux. Ah, vas-y, je vais faire quoi? Tu cherches. Mais laisse-moi tranquille. Comment ça, laisse-moi tranquille? Quoi, après tout ce que j'ai fait pour toi, là? Les restos, ici et ça, les cadeaux et tout. Ah, la vie de ma mère, c'est bon, c'est fini. Et là, après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai gardé chez moi, etc., gratuitement. Après tout ce que j'essaye de faire pour voir percer sur Instagram, t'es là, tu veux arrêter ma carrière. Tu veux juste faire la c'est tout. T'es un clochard. Comment ça? Plus de la gueule en plus. C'est moi le clochard, là? Ouais, c'est toi le clochard. Je t'ai gardé chez moi et tout. Ouais, t'es un clochard, justement. Chez toi, ça pue la. Vas-y, cache-toi, espèce de clochard, va. T'es une sorte, de toute façon. Toi, j'ai trop trouvé, j'ai éclaté. Pourquoi, frère? Quoi? C'est bon, calme-toi. Comment ça, calme-toi? T'énerve pas. Comment ça, calme-toi? T'énerve pas. Frère, moi, là-bas, je voulais aucune embrouille. Comment ça, embrouille? T'es là, tu me casses les. J'allais comme ça, tu me casses les. Oh, j'ai trop trouvé, gros. J'allais partir et tout. Tu verras. J'allais partir. Tu verras. Toi, tu sais pas qui je suis. Mais je vais trop trouver, gros. On va t'attraper. Je vais t'attraper, regarde. Mais pourquoi? Non, toi, t'es. Vas-y, la vie de ma mère, laisse-le. De toute façon, c'est qu'un clochard. Mais c'était ton copain? C'est pas mon copain, c'est qu'une merde. Vous étiez en couple et tout? Ouais, j'étais avec lui, mais franchement, il y avait rien de ouf. Tu sais, j'allais voir à droite, à gauche, la vie de ma mère, c'était. Lui, il avait l'air d'avoir fait beaucoup pour toi quand même. Ouais, ça pour lui beaucoup. Dès que je fais une photo Instagram, même pas il partage.
Ah ouais. Ouais. T'es sur Instagram toi? Ouais, je suis sur Instagram, ouais. Ouais. Mais ton copain, ça faisait combien de temps que t'étais avec? Ça devait faire un an à peu près. Un an quand même? Ouais. Ouais, mais il avait l'air quand même de t'aimer et tout, genre de tenir à toi. Même s'il s'en sortait peut-être pas financièrement, je sais pas, je connais pas votre situation, il avait l'air quand même de se donner pour toi, de... Non, mais on s'en fout de toute façon. Mais... L'important, c'est pour moi Instagram. Toi, t'es avec lui pourquoi depuis... Bah, rien. En fait, je sais même pas pourquoi vraiment j'étais avec lui. Parce que je l'aimais pas, en fait. Bon, ben, moi, franchement, genre après, je veux bien qu'on fasse plus en plus connaissance, tu vois. Mais bon, on oublie un peu cette histoire. C'est un peu ah, mais on peut faire des photos sur Instagram tous les deux. Après, moi je fais plutôt des vidéos sur YouTube de base. Tu vois, je sais pas si t'as capté. Ouais, t'as capté. On peut faire des vidéos ensemble, genre dégustation en couple et tout ça. Ouais, mais on est pas en couple. Non, mais ça c'est pas grave, après on peut faire genre. Ouais, mais moi j'aime pas trop mentir à ma communauté, tu vois. Donc si on fait des trucs en couple et tout, genre, tu vois, il faut que ce soit crédible quoi. Mais on peut faire ça vraiment, tu vois. Ouais, mais là j'ai perdu mon copain. On se connaît à peine. Un des perdus dit de retrouver. Ouais, mais après, genre, on peut venir avec 10 collègues si tu veux, mais bon, ça risque d'être un peu tendu, quoi. Non, après si les 10, ils ont des abonnés sur Instagram... Ah ouais. Moi, Instagram, c'est ma vie. Ouais. Ouais, j'aime trop. Instagram. Instagram for life. Parce que franchement, genre, moi, genre, ça me, tu me plais bien, tu vois. À toi aussi. Mais moi, tu vois, je suis tombé sur beaucoup de personnes qui voulaient profiter de moi. Ah non. Je vais pas te mentir, Instagram, voilà, c'est... j'aime beaucoup ça, mais t'es très très beau aussi. Je suis beau? Ouais. J'aime beaucoup ce style. Tu me trouves beau ou pas? Oui, t'es vraiment très très beau. Beau comment genre? Bah beau, sur une échelle de 1 à 10, je dirais plus 11. Moi je suis ton style genre. Ouais. Ok. Mais ouais non, moi ça m'a quand même choqué cette histoire avec ton mec et tout là. Genre... Mais laisse tomber, on s'en fout. On s'en fout. C'est même plus mon copain, donc tu peux plus appeler mon mec. On pourrait, si tu veux, aller boire un verre. Deux verres, trois verres, t'alcoolisé. Ouais. Ouais. Et on pourrait faire ça ce soir? Pourquoi pas, hein. Et après, si tu veux, on pourrait même passer chez moi. Bah, je suis totalement libre maintenant. Et là, on pourrait faire des photos. Bah, carrément. Et toi, tu fais quoi comme style de photo sur ton Instagram? Oh, je fais un peu de tout. Ouais, mais t'aimerais faire quoi? J'aimerais beaucoup poser pour des marques. Ah ouais, Chanel d'accord. Et tout ça. Genre Lidl. Non, pas Lidl. Carrefour. Non. Ah non? Non, Chanel. Ouais, j'aime beaucoup Kylie Jenner, je sais pas si tu vois c'est qui. C'est pas une marque de boisson? Non, c'est pas une marque, c'est une femme. Le jeans, Jenners. Non. C'est pas une boisson, genre un cocktail? Non, je sais pas. Ah, je connais pas trop. Ouais, il y a beaucoup d'abonnés sur Instagram. Ah ouais? Franchement, si tu veux, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va boire un verre, après on rentre chez moi et on se passe une bonne petite soirée à la maison. Moi, j'ai plein d'objectifs, j'ai des très gros objectifs, tu vois. C'est ce que je veux dire. J'adore. Un gros objectif à la maison avec un bel appareil. Et ben on va voir ça sur Netflix alors. Ouais, et on pourra se faire des belles photos, genre. Des belles grosses photos. Hein. Ouais, des grosses photos, genre. Ça te plaît? Carrément. Ouais, je vois que t'es belle, tu fais du sport? Ouais. Ah ouais? Mais est-ce que tu peux du coup me montrer alors? Tu pourrais me faire un petit twerk, genre. Après, tu me fais une pub juste après? Ouais, chez moi, après on rentre à la maison, je te fais une pub. C'est bon. Ouais? Ouais. Vas-y, tu me montres. C'est bien. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis désolé, ça va pas être possible. Comment ça? Je suis désolé, franchement, genre, en fait, genre, j'aime pas trop les michelineuses dans ton genre, tu vois. Comment ça? Du coup, je te dirais bien d'aller te faire, mais je pense que tu vas déjà le faire. Ouais, je te dis salut. Bisous, les michetos. Gros, je suis désolé. Il t'a expliqué? Ouais, il m'a expliqué un peu chou. Franchement, je suis vraiment désolé, gros. Ah, c'est pas grave, merci. Hein, Mais en gros, on va essayer de piéger des michelineuses, tu vois. En couple. Et ouais, mais j'ai vu un peu ta chaîne tout à l'heure, quand je regardais sur le banc. Je me suis dit, ouais, je sais pas, il va me faire une blague et tout, mais au moins, c'est pas grave, au moins, je sais comment elle est. Hein. Ah, merci, franchement, après, tu m'as ouvert les yeux. J'ai vu son vrai visage, tu vois. Ça, au moins, je peux avoir plus mon temps et tout, après, je vais avancer. Hein. Ouais. De toute façon, elle me ralentissait plus qu'autre chose. Tu captes un peu le jeu, là. Ah non, j'ai capté. Camarade, hein, vous pouvez me foutre et tout là, c'est bon. Ouais, on foutra ton visage et tout, on te montrera pas ta tête. Bon, vas-y, affiche-la cette p. Ouais. Ouais, carrément, ouais. Regarde-moi cette. Tu l'as pas vu quand même? T'as pas vu quand même? Attends, ça vient. Ah, mais c'est elle là. Tu t'appelles? Vas-y. Allô? Ouais, qu'est-ce que ça? Ah, quoi, tu me rappelles maintenant? Hein. Salut. Tu sais quoi, regarde tes affaires, je vais les jeter. T'as même pas à venir en bas de la maison. On va te faire. Salut. Non, il faut avancer. Après, franchement, tes vidéos, j'ai regardé, c'était cool. Hein. T'es un bon gars, parce que franchement, tu vois, tu l'as défendu et tout. T'as été bon. Un bon jusqu'au bout, frère. Je te serre la main, tu vois, je te félicite. Et je te dis bonne continuation, gros. Et tu t'inquiètes, tu trouveras ton bonheur. Et... Merci, hein.